T'as les clés? Bonsoir. Ah, c'est bon. Ouais. Bonsoir. Attendez, je vais chercher mon arme, faut que je retourne. Non, Roger. Je sais pas qui. C'est lui. C'est moi, la casquette. Je te donne tout ça. Si. Tiens. Pablo. Affirmatif, patron. Tu peux refaire le 15% de 650 000. 647 000 exactement, j'ai fait le calcul. Ça, tu prends 97 000. Non, il y a mon homme qui a fait le calcul. Ça marche, t'inquiète pas. Vous devez lui ordonner 649 950. 549 950. Les gars, vous avez à manger? Ouais, donne-moi n'importe quoi à manger. 549 950. Manger, mec. Ah, j'ai reçu du pain. 549 950. C'est des nouvelles regrets. Bah, je t'ai invité pour le patron, voilà. À venir, tiens. Bah, les gars, silence quand le patron fait ça. Je voulais vous dire, à part les Uzi, vous vendez les types de, d'armes comme ça, là? Et c'est combien, à peu près? 1 million d'œufs. Ah ouais. Mais y'a pas trop de passé. Oui. Non, pour l'instant, non. Clairement pas. Après. Je vais te dire, devient des clients fidèles, tu vois, comme tu m'as dit, comme les Ballas, il y aura moyen d'avoir des prix comme eux, parce que franchement, ça revient cher pour nous. Non. Parce qu'on n'est pas officiel et ça, tu vois, c'est... T'as liste. Ouais. Je vais la faire pour vous. Ouais, par contre, aussi, on a des embrouilles avec un mécano tout à l'heure qui a voulu nous braquer. Son visage? Masqué noir. Masque noir, casquette. Tu sais qui est mécano? Ouais, y a un mécano et un autre. Là, il a une Ferrari, là. Parce que c'était au mécano qu'il a voulu me braquer. Et il y en a un autre qui a une BMW. Est-ce que c'est le patron, là, du mécano? Ça, j'en sais rien. Il arrive, il nous braque. Il avait du verre ou pas sur lui? J'ai eu un patron. Patron, il me semble qu'on n'est pas à la Croix-Rouge et ce n'est pas le bureau des pleurs. Non, mais je sais. Non, mais c'est parce qu'en fait, je veux savoir si c'est Familiz, parce qu'il entend beaucoup parler des Familiz. Les Familiz, normalement, il me semble que c'est réglé. J'en ai parlé un d'eux ce matin. Non, Familiz, on n'a jamais eu problème avec eux. Genre, on a eu une embrouille là. Non, mais c'est tout. Je voulais juste savoir si c'était le Familiz. Non, vous pouvez partir. Venga. Allez, la partez par là. Pour les armes, c'est un sale ou propre? Vamos! Allez, bonsoir, allez. Allez. Vamos! Il pue de la gueule en plus. Cabron! Ah, je sais pas lui dire, mais il pue de la gueule, hein. Oh putain. J'ai cru que c'était le cul de tes cas, moi. Il quitte tous, Vora, c'est bon? TK? Ouais. Mon arme, c'est toi qui l'a? Oui, c'est le gars là. C'est que j'ai dans les mains. Ok, c'est pas grave. Attends, mais t'inquiète, je vais lui en donner une. On va aller à la base. Ah bah ah. Regarde, frérot. Attends, MS-13. Attends, tu veux qu'elle passe en glade, qu'il vienne vers moi. Eh, pour des armes, elle vient me parler. Sinon, elle me met des patates. Ça va, c'est toi qui commence. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps, là. Il y a des nouveaux. Toutes les personnes qui ne sont pas encore en tenue vont se changer maintenant. Je les emmène, si vous voulez. Attends, je leur mets l'anglade. Patron? C'est quoi là? Chômeur en Pôle emploi, il y a un bug en deuxième grade. Mais c'est pas chômeur, c'est état civil normalement. Ouais, mais y'a un problème. Ah. Ouais, fais-le, je vais le faire pour les autres. T'as pas ton grade toi? Non, pas toi. C'est quoi ton grade là? Oui, non, civil. Là, c'est mon premier grade. Ah. C'est pas lui qui l'a. Voilà, c'est bon. Le premier et le deuxième. Et voilà. Moi je suis. C'est bon là, vous êtes MS-13. Ouais. Et je les emmène au magasin de vêtements. Ouais, parfait. Okay, ouais. Moi non, chef. Moi pour mon entreprise. Ouais, c'est bon, c'est nickel. J'ai pas encore eu mon grade, chef. Ok, attends, viens. T'as pas encore eu ton grade, viens. On vous entend parler plus lent. Gros! Tu veux dire qu'ils sont venus bloquer l'argent? Ouais, c'est bon. Il me doit 25 000. Ah. Ta gueule! Comment on a son grade? Vous pouvez ouvrir la porte? Les trois là! Son grade? Ouais. On va aller chercher les tenues. Est-ce que tout le monde a son grade? Oui. Répondez! Moi, oui. Ok, donc. Affirmatif! Au nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, le plus important, quand on vous parle, vous fermez votre gueule. Allez, on va changer. Allez, on sort, faut 48 heures pour sortir d'une putain de baraque. Allez, on court. Tout le monde est vraiment le plus près, dépêchez-vous. Allez, on court, go, ça commence maintenant, on court.
On se dépêche, allez, on bouge. Allez, non, on se change rapidement. Allez, vite. TK, dis au nouveau dans la tenue, les codes de la tenue. Alors, t-shirt, premier, étiquette 131. T-shirt premier, étiquette 131. L'étiquette 131. Vous avez tous de l'argent. C'est quoi les étiquettes, mec? C'est bon. Non, moi j'en ai pas. C'est quoi les étiquettes? Qu'est-ce que tu fous? T'es pas encore changé, toi? Prends ta tenue, dépêche-toi. Tout le monde est à la 131 là? Ouais, chef. Mec, il parle de quoi, frère? Et viens, moi, c'est pas tout dégueulasse. Y'a tout le monde qui est à la 131 là? Ouais. Ok, t-shirt 2-0, torse 1-15. Et cavalo unicorn, pour ton unicorn. Allez. On bouge. Je vais avec lui. Ensuite, pour les bras, 15. Allez, on s'active, on est où là? Ensuite, Club Med, allez, on bouge. Pour les chaussures. Après, on joue tous. Jambes. Jambes 31, pardon. Jambes 31 et chaussures 25. Ah. Bon, jambes 2, ça change pas au chef? Non. Pablo, je vais à la base. Ça marche. Mais je suis pas ton chef, Alberto. Alberto, il est pas là, PK. C'est où que j'ai entendu Alberto? Alberto, c'est pas lui. Ah merde, non, j'ai compris. C'est 3 là, faut leur trouver un. C'est 2 là, faut leur trouver un surnom. 3 là, pardon. Chaussures combien? Alors, il y en a un, c'est Bob, et l'autre, c'est Astro. Chaussures 25. Les jambes, on avait dit combien, excusez-moi? Les jambes. 31. Il y aurait pas quelqu'un qui aurait 150$, s'il vous plaît. C'est qui parle? C'est. Moi, c'est moi. Ouais, avec des. Ok. Une perte de temps, voilà ce que vous êtes. Une perte de temps. On s'active là, allez. Pourquoi y'en a pour se branler les. Tu me les rendras x2. Non, je rigole. Je rigole. Ok, faut aller au magasin de vêtements pour changer pour leur masque. Vous avez quoi comme masque? Oh les filles, vous avez quoi comme masque? J'ai ça. Toi c'est bon là-bas au fond. Ouais au fond c'est bon. Toi t'as quoi comme masque? Faut tous des masques différents, on se reconnaît comme ça avec nos masques. T'as quoi comme masque? J'en ai pas. Et toi t'as quoi comme masque? J'ai pas de masque. Une perte de temps, voilà ce que vous êtes tous. Allez on y va. Je sais pas ce que le patron partit avec les voitures, exactement. Ouais, vous en avez une. J'ai un véhicule. Comment me stresse là? J'ai un véhicule, moi, chef. Hein? Non, mais c'est bon, j'ai rien de quoi vous prendre la rue. Bah oui, frère. On arrête de passer. Attendez-le. Ok. Mais. J'avais pile 250 sur moi, frère. Ah, moi j'avais 100 balles. Venez. Il y aura pas assez de place, putain. Et bah celui qui manque, il courra jusqu'au PC, et puis voilà. Ah non, portez-le, il était dans le coffre. Attends. Reste là, mais non. Bon, tu vas faire un petit tour dans le coffre, mon ami. C'est bon. Allez, on va mettre le masque. Ah, merci. Je sais pas qui c'est ton ami, mais il t'a donné un bateau, hein, ton ami. Toute ta voiture, c'est toujours des bateaux, toi. Ouais. Ouais.
Alors on bouge, on prend un masque et un masque non utilisé. Personne prend le même. Et un masque n'a pas utilisé par les stress. Alors on se bouge. Un masque noir qui n'est pas utilisé. Une fois que vous pouvez, une fois que vous pensez à retrouver votre base, vous me demandez si c'est bon ou pas. On se bouge, allez. Un masque qui englobe toute votre tête, même vos cheveux de préférence. Il a l'air d'être bon ton masque. Ouais. Ouais. Est-ce que tu me vois? Ah. Moi c'est pas t'inquiète. Ça c'est parfait ça. C'est parfait. C'est bon, il est parfait celui-là. celui-là il est bon. Celui-là il est bon aussi. Est bon. C'est moche mais c'est bon. T'aurais pas un petit peu d'argent s'il te plaît? Je te remets ça s'il te plaît. T'es vraiment. T'accrochez pas dessus, quoi, je peux rien y faire, gros. T'accroches, merci. Non, c'est déjà utilisé sur moi. Il s'appelle comment est-ce qu'on s'ouvre ça? Mais je peux le faire directement, il a assez de thunes, gros. Comment ça peut être? Par contre, j'enlève mes lunettes, gros, c'est moche avec les lunettes. Moi, ça fait stylé avec ou sans? Non, enlève, ça fait trop du cul avec les lunettes. Ça fait moche, hein? Non? Ouais, attends. Je préfère avec les lunettes. Ouais. Là où je... Réponds pas au téléphone, frère. Hein. Tu veux prendre le mien? Ouais. J'en prends un autre. Ouais, je finis. Celui-là ou autre? Tu fais quoi? Mais tes cheveux qui dépassent. Quoi? Je peux les raser, non? Mais tu finis quoi? Non, ouais, je suis avec toi, là. Mes cheveux, j'ai pas quoi faire. Voilà. Je te fous dans le coffre. C'est quoi la nouvelle fréquence radio? Ouais, je sais pas au courant. Je vais mettre au courant le boss pour me passer le mec en fait. Allo, y'a quelqu'un radio? Affirmatif. Ok, c'est 69 la fréquence radio la nouvelle. On va au QG avec Alberto et. Oh, y'a pas le souci, y'a celui déjà. Ça marche, on est en route avec les trois nouveaux. Pourquoi on serait des appâts, mec? Je sais pas, gros, c'est parce que j'ai l'impression. Tu crois qu'il serait fait chier à nous habiller, à nous faire la sécu et tout? Là maintenant, on était accepté trop rapidement. Attends, mec, tu sais qu'on aura les tests et tout, t'as cru que c'était Noël ou? T'es sûr? Là, la tête de main, on va avoir tous les tests, hein. Oh. On devra essayer de faire tomber l'autre là aussi. De qui? On devrait se faire tomber qui? C'est qui a acheté la Porsche bleue? Mais tu sais très bien qui on doit faire tomber, celui qu'on avait battu hier. Là c'est à moi. Ah ouais.
bon, reste avec moi, t'es où? T'es où? T'es où? Je suis dans la voiture. Ah, c'est bon. Patron, les mains. C'est bon. Parfait, parfait. Bon, Pablo, tu équipes le nouveau. Pas de soucis. Bien à nouveau. Non, c'est chaud par contre. Bien à nouveau. T'as vu, on est trop. Ouais, non, c'est chaud. Gros, on est d'accord. Il y a des armes qu'il n'y a pas censé avoir. C'est parce qu'il y a eu un petit problème, il faut qu'il les enlève. Du coup, vous prenez que les armes qu'on vous dit. Un par un, vous allez aller au coffre et prendre une AK-47. Comment tu sais quoi ton surnom, t'as déjà? Bob, va au coffre. Je t'achète, hein. Il est où le coffre? Le coffre, il est là. Ah. Là. Il y a rien là. Je peux en avoir 15? Ouais, tiens, attends. J'en ai 0. Et je vois rien nouveau, là. Tous les nouveaux, t'as fait pas de meilleure sieste, t'es revenu. Ici là, t'as pas un point ici. Il faut qu'il fasse leur sieste. T'as plus 6. T'as pas fait leur sieste. C'est bon, je vais le faire, trou du cul. On est vraiment stressé, j'arrive pas à le croire. Mec, c'est impossible, genre on a même pas fait les tests et tout. Mais si, pas encore parce que Logan va aller chez les MS13, mais s'il a une mort RP, il vient chez les Bloods et ça saoule mon mec parce qu'il se sent qu'il aura personne pour les Bloods. De quoi, y'a quoi? En fait, truc, Camille a fait les Bloods. Oui, je sais. Gros, on est pour une gros. Ah, putain, je dis quoi? Tu lui dis, on fait la même, mais on a une mort RP, on arrive direct. Mais bien sûr qu'il aura du monde pour les Bloods. Il s'inquiète pour pas. Padre, il va me tuer, je dois les prier. Quoi? Père, il va me tuer, je dois les prier, frère. Oh là. Je sais pas comment je vais faire. Ils vont casser la tête, frère. Oh là. C'est qui a cassé la tête? Voilà, tu lui dis, mec, c'est bon, tu lui dis à Pablo, tu dis au chef. Je prends les armes et je dis, ouais, je dois aller faire une enroule, c'est urgent. Putain, l'idiot qui n'a pas appris, gros. Tu reviens quand? Ah, gros, c'est 10 minutes, c'est 5 minutes, combien j'ai fait? Hier, quand je t'ai dit, je dois aller prier, j'ai fait combien de temps? J'ai fait 5 minutes, frère. Tu lui dis ça? Ah, ouais, là, tu vois le coffre. Ah, ouais, là, je viens. Voilà, ouais. T'es où? Moi je les vois pas. Billet lui. Une AK-47 hein. Comment elle a billet lui? Elle prenait que. What? L'âme que Pablo vous a dit. Une AK-47. Et comment t'as billet toi? Mais. T'es pas gentil hein. Cours, cavale moi grave de temps. Va te changer, cours, allez. Attends. Ah, grave erreur de ta part. T'aurais pas dû enlever le gilet. T'as fait une très grave erreur. Non mais cours Max Vaton, cours allez. Pour tous les deux. Dépêche-toi. Putain, casse les couilles. Non mais t'es pas, attends. On peut voler les véhicules là? Vas-y, c'est bon, je vais pas prendre 20 ans. Oh, please. Cretin. Tu m'entends ou pas? Ouais. Ils ont dit quoi? Ils sont en train de dire quoi? Ah quoi, des pètes en route. J'ai plus mes tatouages. Vas-y, ça me casse les couilles que ça m'apparaisse comme ça, ceci, ville de merde. Parce que je dois aller faire une roule vite fait. Il y a encore quelque chose à faire ou parce que je dois aller faire une roule vite fait? Il t'a dit quoi?
Ouais, vite fait. Vas-y, vas-y. Mais j'ai plus de cheveux aussi. Et c'est vraiment une ville de zbeul. Oh, je vais me faire un tatouage. De quoi? Ils vont faire quoi? Attends, chut! Voilà, ça me dégoûte, putain. T'arrives ou pas toi? Mais mec, j'ai dit lui que ça bug. J'ai fait un dodo, j'arrive. Il va prendre un petit peu de temps là. Dis pas un peu de temps, frère, ils vont me niquer après. Attends. Dis-lui de la ville, elle bug. Ça va et toi Nico? Où est mon pote? Ah, ça me fout les nerfs. You can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Fill my scattered heart, fix me, I said. Ah, ça me fout les nerfs. Pour le fermer, j'ai pris. C'est bon, c'est pas bon. Oh putain, je vois. Nique ta mère. Je reviens, je prie. Vas-y. Et ils ont dit quoi? Rien, tu devais juste mettre ta tenue, revenir. Tu peux rentrer dans le trimestre maintenant qu'on fait partie maintenant, vas-y, j'arrive. Vas-y, tu sais quoi? J'irai faire ça après. Lui aussi, je suis blanc maintenant. Oh là là. Putain, ça me dégoûte.
quoi qui la maîtresse de Madden. Attends, je lis après Nico. T'es qui a pas fait le tatouage? Tu as fait le tatouage toi? Tout le monde a le tatouage. Mais non, j'ai pas le tatouage. Non, non, il a pas le tatouage. Bah si, on va lui faire lui. Mais non. C'est Asko. Non, c'est pas Asko. C'est Bob. C'est oui. Bob. Ah. Je vu que j'ai eu plein de problèmes en ville là, il y a tout qui a changé. Ouais, c'est toi qui manquais la tenue. Bah allez, allez, vas-y, pas trop fait lui. Vas-y, attends, je soulève juste. Attends, j'y pas. T'inquiète pas, ça fait mal mais ça passe. Ah! Il était beau, ça. Mange bien. Pardon. T'étais plus rapide. Aïe. Oui. Mais patron, il y a mieux ou? Non, vas-y. Il manque le point au milieu. Ah oui, putain, attends. Bouille pas. Attends, il manque le point. Il manque le point. Oh, excuse. Bouille pas. Ah oui, il faut que je sois parfait. Aïe! Ah, bravo, patron! Il est beau. C'est parfait ça. Eh franchement c'est propre. J'adore l'équipe. Une heure d'art. Ah c'est propre. Ah c'est propre. Allez les doigts, c'est parti. Ah le bordel. Eh, par contre, écoutez. Eh je veux que tout le monde se tire le ballon Mercedes ici. Et la RS6 patron? La RS6 c'est pour la boss. Comme toi. Parce que la RS6 elle est connue quand même. Genre tout le monde sait que ça appartient à la maîtresse. La RS6 c'est comme les gens comme toi. Non. Et toi? Non. Et toi? En GT, en Mercedes GTS ou en C63? Tu préfères laquelle, C63 ou GTS? Moi, la GTS, c'est celle-là, les styles, les sportifs, la GTS. C'est ça, GTS. Par contre, ouais, les roues, elles sont bizarres. Ouais. T'es déjà là-bas? Ouais. Bah, en fait, parce qu'ils sont ça, mais ils peuvent les changer. Alors, ils ont du quoi? Rien. Ils m'ont fait le tatouage. T'es sûr que tu l'as changé ou pas? Et tu l'as dit que j'allais revenir? Non, j'ai pas fait les modifications. Moi j'ai dit. Tu veux dire, je peux dire. Bon bah vas-y, Bopi, on va voir. Il est déjà là l'autre Merco. Ok, se dépêche, j'ai pas les petits. Après, si on veut des modifications moteur, j'ai du coup. Se dépêche, les petits là. Du coup, j'ai la 900, ouais, dans cette deux portes. Y'a Asko, il arrive. Tu sais que les GPS. J'ai déco vite fait. J'ai du frein dodo vite fait. J'ai pas accédé. On a pris une AK, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il arrive pas que c'est dedans. Oh, au début, ils vont nous prendre des trous du cul, mais après. Ouais, pas de véhicule, voilà. J'en ai une, ça. J'en ai une pour tous, ça sent. Moi. Toute noire aussi. Ouais. T'as vraiment pas de véhicule? Ah. Oh, moi, j'ai le gilet déjà. Okay. Moi, sinon, j'ai une RS6, 4 portes, full custom, moteur stachis. Faut aller voir le patron, faut baisser son pantalon dans la voiture. Non mais elle y va. Bah oui qu'elle y va. Putain. Pas froid aux yeux, direct. Ouais, ouais. Regarde, elle va se mettre à côté de lui. Elle va se poser sur le truc. Trouvez mon surnom. Commence à le caresser un peu le bras. Coucou patron, j'aimerais bien avoir une voiture. Sinon je vais mon surnom. J'y vais avec une petite musique ambiance. Pas froid, toi, mais... Fume de cul. Je vais voir avec. T'as qu'à goût là, Sco. Non, pardon. Moi ça va si je prends Bart en surnom. Bart? Ouais. Oui, Bart. T'as pas trop entendu genre pété de... Bah non. J'ai pas dit. Par contre le registre il marche deux fois. C'est vraiment nul le style Dumba. Pardon? Mais non. Dumba c'est un gros mamadou quoi. Mais Bart c'est bien non? Non. C'est qui lui? Ah j'avais dit de paniquer ma voiture, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mon dieu! Bande d'abrutis! Qui est conduisé? Il la voit pas, il la voit pas. Pablo! Ouais? Eh, écoutez-moi, s'il y a des personnes qui disent pour recruter chez les MSLS, c'est fini, on est 10. Ça marche. Bon, je vais le compter, on est 10. C'est fini.
Capote, stop. Putain. Bon, on est laissé sur les bons. Tout dans le Mercos, on va chez les Families. Toi les GTS ou c'est 63? N'importe, on s'en fout. J'ai un goût. T'es où? Dans la CLS. C'est laquelle? Derrière toi. Ouais, celle-là, ouais. Monte vite. On est 10, c'est parfait. C'est la limite. C'est la leg. Attendez, suivez-moi. Oh putain. Ça va pas être. Attendez. Ouais, on peut pas conduire nous deux. Pourquoi? On a des problèmes cérébraux. Moi je peux prendre s'il faut. On peut pas aller conduire la voiture? Je peux aller moi. Yo le véhicule. Bonjour, je conduis. Gros, fallait rester avec moi. Hein. Mais je suis avec toi. Non, t'es dans la voiture là? Mais oui, je suis devant. Je crois que c'est toi qui t'es descendu comme ça. Bah j'y allais mais après il m'a dit non. Ah là, je vais prendre le truc à boire. Vas-y bouge. C'est là Nico, bah là c'est business this business man. On va chez les familles c'est. Affirmatif. Il manque un véhicule. Ouais, je sais, c'est des sièges, vu qu'ils sont deux à avoir des problèmes, du coup ils peuvent pas conduire. Du coup, il y a un mec après volant, ils arrivent. Ah, ok, pas de soucis. Bah, attends, on les attend. Ah, tu sais, avec leur problème, on en a pour une semaine. Hein. Ouais, non, mais faut y aller, vas-y, viens, on est pour Pierre. Je sais même pas si ils sont déjà partis. On l'a nommé Mescazro. Mais mec, c'est... ils t'ont fait le tatouage? Ouais gros, il m'a mis un petit coup de couteau dans la gorge. Ouais, il m'en a mis 3 cet enculé. Oula. Ouais. En plus je suis en train de stream, tu verras, si tu regardes le stream il m'en a mis 3. Oh là là. Wesh Nico, ça va ou quoi? La pète d'Elex. Bah on est au MS13, je sais pas si tu connais. C'est genre, c'est un cartel. C'est un cartel de Mexicain, non? Ouais, ouais. Chez les familles là. Ouais. Ok, merde. Je sais pas, je crois. De hein. Toute façon, il a dit, hein, le premier truc, il faut qu'on bute quelqu'un. Hein. Là, comme ils ont aucun respect. Et en plus, c'est des familles blancs, frère. C'est quoi ça? Tu peux pas. Tu mérites des bases dans la tête. Tu mérites. Familles, venez dans le quartier MS13. Hein? Ouais, j'avoue, c'est pas MS13 qu'ils disent. Impossible. Le point, ah c'est bon, putain, parce que dans les autres c'est... Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Sans le point, il dit c'est trop dur. Moi j'ai entraîné mon nez sur ça, c'est trop dur. J'irais en balle, gros, tu sais, quand j'avais un AK, je tirais en balle, gros, je m'arrêtais pas. T'inquiète pas, moi je m'arrêtais pas. C'est impossible. Là, les points, ça va. Au point, ça va, c'est simple, mais sans les points, c'est trop simple, même. C'est pour ça que je crois que j'ai Regarde, on est tous une AK, regarde. Pour montrer notre puissance. Trop puissant, faudrait... Mets-toi à côté, mettez-vous, de moi. Je vais prendre la photo. Attendez, voilà, mettez-vous. Oui, il en manque, c'est que dommage. C'est pas grave. Alberto, toi. Parfait. Attendez, je vais dans le téléphone. Trop casse, voilà, on a... Cheese. Appuyez sur votre muscle Y. Ah, pourquoi? On manque pas de couilles, moi. Non, okay. Vas-y, cheese, je prends la photo là. Et... Oh l'ambiance. Il est le cheese. Vous les entendez comme ça, on est beau quand même, hein. C'est vrai que vous êtes beau là. Je suis quand même beaucoup plus badass que les autres, quoi. Avec les AK en or, c'était plus ancien.
Tu l'as assez, tu crois quoi? C'est moi! C'est comme les familles blancs. Ouais, excusez-moi, il y a eu un problème. Dis, je suis zone noire. Dis, c'est par contre. Matt, il a depuis longtemps, les mecs, normal. Non. Bah, c'est t'abruti aussi, il a qu'à. Matt, mais tu sais, tu peux changer encore, je vais t'expliquer comment tu fais après. Vas-y, après. Mais c'est un changeur, ça marche plus chez moi. Si, moi je l'ai fait deux fois, je l'ai claqué deux fois, gros. Il est nouveau, quoi. Merci. Après, je vais tester après combien d'années. Moi aussi. Gros, on tape des photos dans le quartier des familles, je trouve ça normal. Mais sauf qu'ils sont bien. Notre soirée circule. Ah, si ? Ouais. Attends bien. Ouais, il y en a qu'un qui est arrivé. Mais tiens, le retardateur. Et bah voilà, on va prendre une photo. On a eu un problème de véhicule. On va prendre une photo tous ensemble. Mettez-vous à côté de tous. Eh, t'as pas vu ? Il fait quoi dans ta beauté ? Y'a une différence de couleur, genre, t'as blanc, je sais pas, un problème de cerveau, je sais pas. Ouais, mais bronzé, bronzé. Ah, Martin, oula. On devrait tous rester alignés comme ça quand les familles vont arriver. Ouais, c'est beau. Mais attends, ils sont où là ? T4, c'est pas droit. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est plan, lui. Ouais, c'est abusé ce truc. Vous avez tous une nouvelle fréquence radio. Faudrait vous mettre plus au milieu, je pense. C'est 69? Ouais. Ouais. Ah bon? Allez-y, venez, il va prendre une belle photo. Cheese. Belle photo, t'es pas bien. Cheese. Putain, l'ambiance dans ce groupe, je vous jure. Putain. Il vient en rien avec les gros, mon Giro, on était militaire, comment il nous a fait aligner. Ah ouais. Mais c'est beaucoup, je vais aller voir en fait. Non mais la puissance elle est... Oh, regarde, il est tous des AK. Gros, il y a que des AK, frère. D'accord. On dirait un musée, mais ça. Quoi? C'est quoi le rapport? Ils font tout le temps ça. Il dit quoi? Elle a dit quoi? Eh, ils arrivent. Elle a dit quoi? Un patron? Attends, vous allez voir. Deux. Il va falloir se calmer sur le petit arme. Ouais, il y a ça. De quoi? Attends, qui fait quoi? Se mettre en ligne? Non. Il a pris. Il veut diminuer. Il a déjà pris, il faut diminuer. J'ai rien compris ce que tu dis. D'armes, c'est pas possible. Ta gueule. Eh, je vais te faire KO. C'est fréquent 69. Notre compte, ça va, il est encore bien, mais j'ai 1 million d'armes, je pense de faire cher. Attends, on doit faire quoi? Fréquence 69, c'est de... Prenez radio 69. Non, mais comme la position de cul. C'est qui est devant moi là? C'est Pablo. Arrête de bousculer tout le monde là. Mais c'est pas moi qui bouscule. C'est bon, qui le mec qui a coulé là? Le mettez-vous bien, il arrive là. T'es qui, arrête de me pousser. Le mettez-vous bien. Qu'est-ce que qui me pousse? Tu me dis c'est moi qui pousse. Ah, laissez-moi passer. C'est bon, je vais vous entendre. Le mettez-vous tous bien, vos âmes, etc. T'entends quelqu'un parler là? Non. Prenez vos armes. C'est pas, on verra après. Mais qu'on est beau. J'en ai marre, on est trop beau, putain. Tiens, les voilà. Voilà, les radios! Quoi? C'est qui eux? C'est les Families. Bah si. Families, BM et Italie GT. Oh gros! Ouais, ouais. Oh, j'ai envie de le buter! Salut. Yo, Tangon. Pardon? Il est pas là, Tangon. Non, parce que pour le moment, je dois faire un truc parce que ça va être... Allez, viens, je vais te parler d'ailleurs. Pas de soucis. Benga, les gars, venez. Ouaaah, gros, là, ça a amusé. T'es où, je reste à côté de toi. Là, je suis là, je vais te faire la plan. Non, c'est tous marcher en ligne. Gros, on va en cours, gros. Le prof tout devant. Mais en fait, le pire, c'est que je fais rame. Attends, il faut se mettre en ligne, il faut se mettre en ligne. Un de nous. Non, y'a pas de soucis. Bah, avance! Attends. C'est moi, mais je compte faire un peu. C'est moi qui va prendre. Si. Comment ça, c'est moi qui va prendre? Dis-là, tu commences pas à fermer ta gueule et tu te fous folle. Remets-toi. C'est déjà, c'est pas bien ce que tu as fait, tu viens me parler en radio. Ok, je vais me mettre en. Ok. Voilà, maintenant tu fais des trucs pour te mettre là-bas. Pardon? Je me suis, je vous entends parler un peu bizarrement. Les gars, il y a comme moi que vous entendez parler bizarrement. Non, non, il a raison, il a raison. Ah ouais. Vas-y, va contre le mur là-bas. Ah ok, pas de soucis, je vais. Putain, y'en a un qui a compris. Oh, t'es pute!
Ramasse tes putes. J'ai reçu un message. Qui? Vous m'entendez bien? Regarde pas le téléphone, regarde pas le téléphone. Bon, écoute. Leonardo. Certes, j'ai venu pas te parler d'avion, mais parce que j'avais vraiment envie de parler. Ouais, mais voilà, c'est peut-être non. Un peu. Mais y'a pas de soucis, moi je continue. Je m'en fous, tu sais. Bref. Là, j'entends toujours parler de vous. Les familles, tout ça. Là. Et faut bien que. Tu comprennes qu'il faut arrêter là. Avance. Mais là, je pense qu'avec vos armes, je pense que je très bien compris que la prochaine fois je crée. Ah non, non, non. T'es où? Tu vas mettre tes marées. Putain, j'aurais pas dû répondre en plus, il m'a dit l'autre. Tu vas mettre tes marées. C'est bon. Hein? Ouais, moi, le mec, tu commences par le premier. C'est trop long, non? Mais t'es où? Attends, je suis devant. T'es en autre toi. Allez, c'est parti. Contre la mer. La main là, contre la mer. On va te couper une main. Ah, elle t'a dit de pas regarder ton téléphone. Allez, à l'hôpital après, pour aller te mettre une main. Ah non, au pire, je lui dis directement. Je vous en supplie, faites pas ça. T'as un couteau, pas blanc. Mais le pire, c'est que vous savez que c'est même pas mon gang, je pense. C'est des gars qui sont passés pour moi. Parce que je pense que mon gang, ils sont pas habillés comme eux. Ils sont pas gilets par balles vertes. Ah non. J'ai dit, elle va le buter, c'est bon. Ouais, voilà, mais mon collègue me dit, j'ai les pare-balles vertes, c'est des gens qui se passent pour moi. C'est la de ton collègue, c'est ce qu'il dit là. Si tout c'est pas tenu. C'était là, comment elle s'appelle dans le jeu? C'était là. Ton image, m'en bats les couilles. Mais elle t'a dit de pas regarder ton téléphone. Attends, t'allais l'aider, frérot. Non, reste là, tu veux mourir ou quoi? C'est pas moi. Alberto. Dans ta main. Elle a entendu ma main. Contre le mur, connard. Patron. Merde. Oh oh. Non mais mettez pas en vrai que mettez si. Il y en a un qui est parti. C'est tiens. Bah l'autre qui était avec lui il est parti. C'est mon collègue, lui il vous inquiétez pas, il fait rien de mal. Bah si en fait, j'ai envie de parler. Ouais non, il faut fermer sa gueule sinon on va arriver. Tika, coupe-lui un autre toi. Allez. Oh, s'il vous plaît, me coupez pas toi. Le prochain. Là elle est contente elle hein. Je vais te couper un doigt. Il faut bien que tu comprennes que là il y a les mains. Oh putain. Arrêtez. Il faut bien que tu comprennes qu'il y en a mal que d'entendre parler de toi. Même de ta famille, etc. Il y en a vraiment mal. T'as l'œil est en soirée. On m'a dit quoi, les familles encore? Ah, trop mal, arrêtez s'il vous plaît. Je dis, on me parle encore de deux. J'arrive pas du médecin, on sait que t'as mal. Non, ça va plus parler, faut croire. Matt, tu le coupes le deuxième doigt. Oh! S'il vous plaît, je vous ai dit, on devait parler de moi. Monsieur? Tu, vive l'Algérie. Lui coupe le troisième doigt. ça pique. Appelez un médecin s'il vous plaît. Il me tue comment il s'y met. On dit ça pique. Ça pique monsieur, ça pique. Je peux en couper un s'il vous plaît. On dirait sur coupe le dernier. Quoi, c'est cannibale frérot, là c'est cannibale. Il est derrière Vas-y remets-toi. Non pas la machette, je vous en supplie. Contre le mur. Pas la machette. Oh il se passe quoi ici? Starfall là il vient dire mais mec il veut mourir en fait. Ah, heureusement je peux rien dire. Yeah. Arrêtez. Ça pique. T'es jaloux? Oh. Oh. Arrête de sortir ton téléphone, tu veux mourir. D'accord. En fait, t'es un malade, toi, en fait. Non. Vous avez dit le dernier? Non, s'il vous plaît. Regarde, je le fais aussi. Pas la main, s'il vous plaît. Laissez-moi une dernière chance. Il n'a pas le contact. Vas-y. T'as sorti ton téléphone? Hein? Il n'a pas le contact. T'as sorti ton téléphone? Non. La première fois qu'il entend parler de toi. Non. Tu butes un de tes hommes. T'as la main tendue. Vous comprenez? Un de mes hommes, vous le butez? Si. Oh putain. Il entend le top. Oh, et moi je veux. Hier, vous êtes arrivé quand avant-hier? Tu peux venir avec moi? Oh, pas de soucis. Je tranche ta main qui va venir. Allez. À
attends, j'ai fini la conversation. Il va rien faire parce qu'elle a pas parlé au chef. 6 fois, même plus. Il en oublie, hein. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il entend parler de toi. 3 fois. Il a tout à l'heure à ma soirée, tout le monde parlait de toi. Regardez tous les fameux quartiers, ils disent non, c'est trop du cul. Et bah écoute, attendez, je vais. Non, mais j'ai plus de leur 40, je vais aller les virer. Tu restes là. Pablo, il est où? Pablo, à toi de couper, couper la doigt. Couper la main. Non, 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 vous m'avez. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Comment, comment il arrive à parler sur Twitter? Comment il arrive à parler sur Twitter? Non, non, coupez pas la main. Ne coupez pas la main, ne coupez pas la main. Je vous en supplie. Ah putain, j'aurais bien voulu couper la main. Coupez juste pas la main. Patron? S'il vous plaît, monsieur, me coupez pas la main. Ok, bah je te coupe une jambe. Non, non. Ah, quoi, il faut viser. J'ai entendu sur la radio, il y a ma. Ils nous ont dit commandant. Donc, à mon avis, c'est un flic. Non, 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 vraiment, avec la police. Vraiment, vraiment. Monsieur, eh ben, viens là. T'es payé, toi. Non, non, je vais vous parler en privé, vraiment. C'est pas. Écoutez. Vamos. Je suis pas flic, vraiment. Où tu vas? Je suis pas flic. Je le vise, frère, si je peux lui tirer dessus. Tenez, monsieur. Je suis pas flic, c'est juste qu'on avait leur radio et qu'on leur cassait les couilles. Casser les couilles, ah ouais. Rolio, tu lui as coupé un doigt, non? Le chef m'a pas dit. Écoute-moi bien, si il entend parler de toi, comme quoi commandant et etc, il te tue. Ok. C'est quoi la radio des flics? C'est la fréquence 2. Ah ouais, ils ont été chercher loin. Non mais il est bon, faut que... Magnifique. C'est nécessaire pour qu'il y ait une arde au plus vieux. Bref. On peut y aller les gars, benga. Fais gaffe, tu passes à la porte. Ah oui, c'est bon. Vas-y, je conduis avec les deux là qu'ils ont du mal. Non, pas trop. Putain. C'est passé entre le gilet et le monde. Qui a du mal? On monte dans lequel? Viens, monte dans l'autre. Viens, monte dans l'autre. Vas-y, monte de l'autre côté. Critique la voiture, hein. Ta gueule. C'est eux. Le patron est dans quelle voiture? Ah, il est là. C'est eux. On dirait qu'il a pas trop mal à la main. On dirait lui, c'est normal. Genre, il se fait couper de main. Ah, grosse. Voiture quoi, t'es qu'à coûte 525 000 à peine. Ah, mais eux ils les font spawn, non? Ouais. Allez, ils les font avec leur commande. C'est lui. T'es d'accord avec moi, tu vas la faire payer à ma place. Ouais, je suis d'accord, mais. Voilà. Juste, voilà. Voilà, fin de discussion. Pablo, tu peux y aller. Il est un enfant pour un mec, c'est bien de se faire couper la main. Ah, voilà, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Il a pas beaucoup mal, hein. Après, je passe devant. Allez, benga. Elle aussi, elle fait pas de bruit en accélérant, c'est très perturbant. Ouais, ça ouais, j'aime pas. T'as l'impression que tu roules pas. Ouais. Non, t'as l'impression que t'accélères pas en fait. Ouais, lui, c'est pas conduire aussi. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons les gens! Mais c'est vraiment des appels. J'ai pas touché, hein, j'ai pas touché. Si, t'as touché pour nous, allez. Si, t'as touché. Vas-y, ah, mais j'ai pas touché dans ma vie. Je sais pas, attention! Tiens, putain! Ça va, patronne!
il a dit quoi? Ça va, patronne, il a dit. Putain, tu m'as écrasé sur la jambe. Putain. Oh, y'a pas d'action, ouais, frère, je tue des gens, frère. Voilà. Non, reste tranquille, c'est pas le professeur qui va buter des gens. Si, c'est le professeur qu'on va buter des gens. Allez. C'est dit qu'il boite là. Et voilà, vous êtes magnifique. Hein. C'est moi. Moi si, il boite, attends, encore mal. Ah ouais, moi j'ai mal, là. Je vais me prendre un couteau de chasse dans le ventre, donc ouais, j'ai mal. C'est fermé, on passera pas tous. Non, c'est fermé, c'est fermé. C'est fermé. Je vois que c'est fermé. Ouais, la même. Ouvrez là. Ouais, c'est vrai. C'est fermé. Bon. Allez, hop. Ouvrez. Ah. Là. Restez galant. Venez. Pardon. Il m'a manqué un la brochette là de con. Là. Ah, gros, je rapproche mon AK, moi j'en ai marre. On doit regarder un peu là. Non, t'as pas de sac, frère. Eh, hey, qui c'est qui va à la boire ici? Mon patron? Si. Moi je vais faire moi, pour mon cas, moi je vais prendre une douche chez moi, je vais m'imposer tranquillement. Si, ouais, si, moi vas-y. Ok, vas-y. Passez une bonne soirée tout le monde. Parfait. Merci, ouais, merci. Tu peux me déposer quelque part? Ouais, t'inquiète, je dépose juste mon AK. Qui c'est qui a besoin de partir encore? Moi aussi, patron, je vais y aller. Ok, vas-y, c'est parfait. Merci. Après, patron. Les gars, si vous voulez, vous pouvez tous partir et puis demain on se recontacte. Bien sûr, ok, ça marche, pas de plan. Vous déposez la K au QG. Ok. Puis voilà. Sinon vous pouvez tous y aller. Hein. Ok, ça marche, okay, Patelin. Okay. À demain, Patelin. À demain. À demain. Vas-y, demain. Demain, Patelin. Demain. Tu pars aussi, toi? Tu fais quoi? Non, je reste. Je reste. Vas-y, viens, demande s'il a besoin de nous encore. Qui? Bah, le patron, mec. De toute façon, on a rien à faire. Moi j'ai vodka, tequila, martini et Igor. Oui, je peux vous aider. Mais vous avez besoin encore de nous ou pas du tout? Parce que on a rien à faire d'autre. Non, y a pas besoin de vous, vous inquiétez pas. Toi là, c'est quoi ton nom? Dis-moi. Qui ça? Non, c'est moi en fait. C'est un... Attendez, c'est quoi votre nom vous déjà? Parce que je m'en souviens pas. Ouais, c'est Bob. Bob? Et à ma droite? Asko, ok, parfait. Bah, Bob et Asko. Ah ouais, Bob. Bob le bécoreur. Exactement. Toujours là. Tu devrais avoir un marteau sur toi tout le temps. Oh. Je vais t'en acheter. Oh, ce sera avec plaisir. Ah, attends, d'ailleurs, je vais aller chercher l'argent que j'ai dans le coffre d'entreprise. Hein. Attends, je vais la Parfait. Toi. Si je pourrais réparer des trucs et tout. Non, tu pourras péter des mains avec. Oh, parfait. T'es obligé de jouer à chaque mois que tu dis. Oh, ouais. Non, de toute façon, demain, il y aura plus d'action. Après, là... Là, je sais pas si vous avez vu, mais il faut éviter de parler de moi. Je suis recherché pour le 500 mètres de là. Non, attends, juste en... Du coup, faut éviter quoi. Dans tous les cas, vous parlez jamais très à personne. Exactement. Pour en parler, déjà, les personnes qui sont venues à la soirée aujourd'hui, ils savent qu'il y a moins le gène dans des espèces. Attends, y'a pas moyen. Parce que là, j'ai fait mal aux oreilles. Si ça vous dérange pas. Ouais, viens, de toute façon, il doit aller chercher l'argent qu'il y a dans le coffre. Voilà, super. Parce qu'avant la soirée, j'ai pour les 300 000, et là, à ce moment, il n'y a plus que. On va dire le 900 millions. Quoi? Mais. Il a dit quoi? 120 millions? 900 millions, c'est rien pour vous. Mais non, pas 900 millions. Ah, ah ouais. Millions. Ah. Mais t'es malade, toi. Il a dit combien? 1 million. Si tout cet argent-là, je serais pas ici. Hein. Moi, je te l'ai dit. Même 1 million. 1 million. C'est le prix de la A45. Parfait, j'ai 1 million de là. Nickel. De toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez des payes. Déjà, faut savoir que les armes que vous avez sur vous, c'est 1 million. Quoi? 1 million? Il a dit quoi?
Un million les armes qu'on a sur nous. Les armes que vous allez stalfou. Mais faut pas les perdre. Si vous les perdez, coupage de doigts. Ah oh elle... Y'a pas moi, y'a pas moi, je la range ici maintenant. Faut les ranger au QG. Ah, je vais pas aller au QG parce que je perds souvent des choses. Attends, y'a une voiture de la lane, non? Tant pire, je vais appeler. Oh. Ah putain, fils de pute, tu m'as fait une voiture. Ok, merci. Je vous ai ramené une C63MG. Oh. Ça me fait plaisir. Vas-y, merci, mec. Oui. Oh putain. Reste là, wesh. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Ah gros, viens, reste là, gros. Tu veux qu'on fasse quoi? Viens, au QG au pire. On range nos AK parce que là. Mais c'est bon, on va pas les perdre. Ah, tu parles de putain de type. Le type qui a fait le feu avec nous. Mais mec, déjà si on bute quelqu'un, on est mort, mec. T'es con quoi? Ah non. Ils ont fermé la porte. Voilà, ils ont fermé la porte. Quoi, ils ont fermé la porte? Ils vont voir d'autre côté. Et elle est ouverte la porte, ça se gig. Non, voilà, elle est fermée. Elle est ouverte. Elle est fermée. Elle est fermée. Quelle lick, elle est fermée. Ah, c'est bon, les gars, vous pouvez partir si vous voulez. Vas-y. Vous avez pas besoin de couverture ou quoi que ce soit? Non, on peut pas. Monsieur, par contre, j'ai une question à vous poser. En fait, c'est parce que aujourd'hui, très. Qu'on a pas aimé en fait, c'est ce que je veux dire. Eh, c'est pas ton pote, vous voyez le frère. En fait, c'est une personne qui nous a un petit peu mal respecté. Vous voyez, et du coup, on voulait vous demander si on peut s'occuper de cette personne ou pas. Ok. Et tu quoi? C'est Homer Stark. Ouais, il travaille au MS. Il nous a fait des menaces de mort et tout. Ouais, tout ça, mais il avait une arme, mais du coup, nous n'étions pas encore en position d'arme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et nous, on voulait pas encore faire les grands et tout ça, mais après, c'est pas obligé de régler ça maintenant. Attends, vous me dites que vous voulez buter un de vos employés? Quoi? Non, il est plus. Il est plus chez nous, il fait plus partie de nous. Bah, tu me dis à l'OMS. Qui ça? Oui, mais il travaille à l'OMS. Star. Rover? Hein? Pourquoi faire? Parce qu'il nous a lancé des menaces. Des menaces de mort et tout, ouais. Vous savez que maintenant il est flic? On s'en fout. Ok, bah patron, si je me permets. Mm-hmm. Chopez-le, tu m'appelles, et on va. Vas-y, parfait. Moi je suis chaud. Vous avez des ordres. Ok, merci beaucoup. Allez-y. Attends, devant la voiture pour la C63. Vas-y. Non, la C63 c'est pour le patron. Mais dis-lui si on peut avoir une voiture. Dis-lui de ranger une dernière fois, patron. Y'a moyen d'avoir une voiture, s'il vous plaît. D'accord, pas de soucis, vous êtes sûr, hein. Il a dit quoi? Il a dit allez voler une sur la route parce que la 63 c'est un danger public. Ah gros, regarde on se balade en AK gros, on va tirer c'est un flic. Putain. Gros, faut qu'on le trouve. Je l'appelle au pire. T'as son hume? Ah bah oui. Il a envie tu crois? Je sais pas frère. Vas-y, attends, ça. Je vais... Oh il a envie. Voilà il a envie. Vas-y. Laisse-moi rouler. Vas-y, je te donne après. Monte. Vite, tu vas me sortir. Mais gros, arrête de t'arrêter, frère! Ah, la musique, frère, pour la tête. Putain, on a eu des ordres en plus, dis-toi! Un ordre! Il a dit quoi? Enlève la musique, il a dit c'était un ordre alors! Moi, dis comme ça! Ah! Aïe! Oh, gros, t'as poussé! Oui, c'est t'as bon, ça s'en bat les couilles! Gros, je l'appelle ou pas? Bah, vas-y, mec, tu lui fais un guet-apens, rien à branler! Il va savoir que j'ai MS13, Mais t'es pas. Comment il sait? T'es même pas son pote! Non, tu sais. C'est vrai qu'on va le braquer, gros! Mais on s'en bat les couilles! On va le buter! Mais j'ai un flic devant nous! T'es con! Non! Non, t'es sérieux, par contre, c'est lance, vu que là-bas, moi, on change! Vas-y, mais on va changer. Mais vas-y, mais. Oh, t'as
relayer, va faire devant le truc. Mais je veux pas. Mais mec, mais t'as vu comment. Prends la soutane, prends la soutane. Descends, tout pétasse. Attends, c'est pas roulé. Vas-y, vas-y, je te laisse rouler. Prends, prends, prends. Bon, passe où, passe. Descends là, descends là, descends là, vas-y. Vas-y, tu l'as appelé ou pas? Mais tu peux pas conduire et appeler. Attends, je vais te demander si j'appelle ou pas, parce que je sais pas s'il va savoir que je suis MS13 après. Ouais, t'es un... Gros, moi je prends pas des risques, quoi. Je vais pas me faire baiser dès le premier jour. J'ai une petite question là, en fait, j'ai son nu. Parce que je veux dire, la roule, mais le problème si je l'appelle et qu'après ça se passe mal, qu'après il voit que j'ai la tenue de chez MS13 du coup, après il va cramer. Donc c'est chaud. Mais t'es con mec, t'es censé être MS13. Voilà. Putain, du coup là je vais changer de tenue, c'est ça? Ah ça moi je vais changer de tenue, c'est mieux, vas-y, t'inquiète. On s'arrange, t'inquiète, vas-y, je te rappelle. T'inquiète. Ah gros, elle fait trop la fête de luxe. Elle a dit quoi? On gère ça nous deux, frère. Par contre, gros, si on foire, on est dans la merde, c'est ça. Ça, tu sais, ça, mec. Ouais, t'inquiète. Eh, c'est chaud, je peux changer de tenue, juste garder ça. Attends, viens, on t'a. Mais on doit garder ça? Ouais, on est obligé, parce qu'on a les AK. On doit les garder. Le pire, ce qu'on peut faire. Voilà, mais on s'en bat les couilles, mec. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Mec, de toute façon, on va savoir qu'on est MS13. Ah, gros, putain. Ah, ouais, c'est vrai, non, c'est chaud. Je sais pas. On est des fantômes, gros, parce que si on rate, gros, ça implique. Ah oui, c'est un star. C'est ça le problème en fait, c'est pour ça qu'on doit le trouver. Attends, il est sous vos coups, c'est stupide. Vous ou pas? Non. Mais faut aller dedans, il faut aller dedans. Gros, c'est chaud, tu vas pas aller dedans comme ça. Ah, y'a un type là, regarde si c'est... D'être au commissariat. Ah oui, il est là, sa race. Il est en ville, là, gros. Il y a combien de flics en ville? 7. 7. Oh, gros. Gros, tu sais que là, si on reste, on est dans la merde. Y'a un flic qui nous repère, je bouge. Oh, le problème, la voiture elle est trop lente. J'aurais dû prendre ma moto. Il est là. Gros, y'a trop de flics. On peut pas y aller, genre normal. Si, vas-y, on se repère. Change, viens, on change. Ah, mais non, on a les AK. Ouais, on a les AK, frère. Même si on change, on a les AK. On va les mettre où, les AK? Dans le coffre? Dans le coffre de ce véhicule, imagine, il dispawn. HRP? Et on va toujours la voir, ça bat les couilles. Par le patron, gros. C'est ça le problème. Sauf qu'il faut qu'on prenne un véhicule à nous. Vas-y, go, on va prendre un véhicule à nous, on met les AK à l'intérieur et oui. Ah, boss. Non? Casse les couilles, frère. Oh là, on fait quoi? Le mec, il faudra essayer de faire ça de toute façon. Gros, décide-toi, toi aussi, t'as la. Mais c'est ce que je t'ai dit! Premier. T'as dit quoi? Il t'a menacé en premier? Ah. Il t'a menacé toi en premier, ouais. Et toi aussi, hein? Ouais, moi j'adore la force. Vas-y, arrête de rouler comme ça! Vas-y, on pose des AK dans notre truc et puis voilà, et puis on va les soulever. Ça. Mais... comment tu veux qu'on les soulève si on a pas d'AK sur nous, tête de pite? Non mais viens, mais oui. Toi, tu réfléchis ou pas? Attends, non, mais dans ma tête c'était clair. On peut aller prendre un sac. On peut aller prendre un sac. En plus on a encore un sac là tantôt. Attends, regarde, c'était un sac, attends. J'ai zéro sac.
Rentre. C'est quoi, on va chercher un sac ou pas? Vas-y. Non, j'ai pas de thune. J'ai 9 symboles. On fait vite, gros. Vas-y, passe 200. Attends, je prends mon sac. Oui, mais si tu me donnes. Oh là là. Prends lequel? L'autre avant. Tu prends le chargé ou. Non, l'autre. Celui-là là, ouais, vas-y, dépêche. Attends, j'enregistre. Attends. MS13 avec sac. Voilà. Tiens. 250. C'est tout. Oh putain, tu m'as fait peur. Enfin, je pourrais. T'as que j'ai passé combien? 300 000? C'est 31 ou 32, je me souviens plus, ou 40. Bon, moi je rentre déjà dans le véhicule en vrai. Croix, ça va se passer mal, mais ça va se passer bien, t'inquiète. Qui? Mia, le téléphone, elle m'a dit que ça va se passer mal, parce que c'est. Gros, t'inquiète, moi je te dis, gros, on va en l'enculer. Par contre, croche pas, il va te faire mauvaise impression là. Si on le nique, on. Mec, en plus, c'est un chitard, hein. C'est ça le rôle, c'est en fait, si on. Si là, vraiment, on se fait enculer. Là, bah, tu le vois, bah. Roule, je crois que non, ah, la tête de ma mère, on est mort. Ouais, c'est bon. Vas-y, va à droite. Et après, tu vas à gauche direct. Et puis après, tu. Prends l'autoroute, il faut jamais croire. Après, on prend la grosse allée en haut. Prends la grosse allée. À gauche, voilà. Et on change de voiture direct, hein. Putain, tête de haut. Oh, t'es le pire. Gros, ferme ta gueule, j'ai foncé de rien du tout. Faut qu'on aille se changer, mec, c'est pas possible. C'est impossible de rester comme ça, gros. Gros, mais eux ils restent comme ça, gros, ils sont respectés, nous, gros. Putain, gros, nous c'est pas comme. Nous, eux, tout le monde connaît ça, gros. D'ailleurs, pas. Va à gauche. Ici là? Ah, vas-y. Vas-y, prends. Non, pas elle. Ah, mais si elle est lente. Elle là. Ah, vas-y, laisse tomber, reviens. Non, t'inquiète, gros. Là, elle, c'est la coquette. Elle est décapotable, on nous voit de dehors. Oh là, c'est là. Attends, j'arrive pas à sortir. J'arrive pas à sortir. Vas-y, bouge, rentre. Elle derrière, freine, Taras. Laquelle, la coquette ou la Fletzer? La Fletzer. T'es décapotable, viens. Oh shit. Ah, celle-là, tu vois, c'est magnifique avec. Retourne pas où il y a eu le parkage, je te bute. Non, t'inquiète, je vais taper à tout. Gros, on doit le trouver, gros. Avec les AK, c'est chaud, hein. Il est là ou pas. Regarde. Ah, c'est Vasco qui se fait contrôler. C'est Vasco. Demande à Vasco. Non, je demande après. C'est Vasco qui se fait contrôler.
Ouais, mais il a changé de perso. Vas-y, roule, roule. Ah oui, il a changé de perso. C'est trop, on demande comment... comment on agit. Gros, non. Je te pose des questions, gros. Jamais agir sans savoir. Ouais, mais là, on va passer pour des gag, mec. Tu crois ça? C'est vrai que là, il y a moyen, on passe pour des gay. Et tu repasses au même endroit. Oh. C'est fait gros, faux. Ah, tu vois là, ils sont plus là. Ouais, c'est chaud ça, merde. Putain, faut que je trouve justement, c'est moins flag. Moi je te dis, on va déposer les AK. On se met en civil. C'est chaud parce qu'en fait, regarde, je t'explique. Là, on va déposer les AK, ok, je vais t'écouter. Mais après, l'enroule, c'est comment on va les braquer. Bah frère, mais on se met en civil, on regarde ce qu'il fait. Où il va. Ah gros, il est souvent c'est pour détruire ses voitures. Car il était tout un soir au concert, frère. Tu sais ce qu'on fait. Oh la tête de ma mère, tu sais ce qu'on fait. Quoi. Ok. Toi, tu te mets en tenue de civil, ok? J'arrive avec une autre bagnole. Toi, tu le braques. Et voilà! Ok? T'inquiète, je le dis dans ta tête. C'est... gros, c'est lui! Quoi? Attends, je vais passer pour voir si c'est lui. Dis-moi si c'est lui, tu reconnais sa tenue, non? Mais tu sais que là, on a qu'à deux places, là. Ouais, même, attends, c'est juste pour voir. C'est lui ou pas? Regarde. Je sais pas, frère, je vois pas de là. C'est tout le monde ton téléphone, gros. Ah, tu bouges, frère. Vas-y, ma vie, civil. Je garde le sac, par contre. Tu gardes le sac ou pas? Je sais pas, frère. Fais comme tu veux, fais comme tu le sens. Gros, si tu crèves, tu te fais enculer. Je t'encule, t'es mort. Braque-moi aussi, au pire, braque-moi aussi pour faire ça. Mais oui, c'est justement, c'est ce que je vais faire. Et après, tu me jardes quelque part et après, tu t'attends avec quelque. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En fait, ce que tu vas faire là maintenant, c'est que. Tu vas te mettre quelque part. Attends, là maintenant, j'ai plus la casse sur moi du coup. Attends. Putain. Ah, c'est chaud. Attends, je vais l'appeler, je vais dire. Y'a moyen qu'on parle vite fait là. Mais tu me dis s'il est tout seul, genre après, tu fais le tour et tout. L'autre vérité, garde la voiture, toi, si t'as les flics. T'as les rapides. Ah non, tu dois voir. C'est pas grave. T'inquiète, reste. Toi, tu prends un autre véhicule, je prends ton véhicule. Attends, je l'appelle déjà maintenant. Eh, moi, je. Tu parles de... avec lui pendant 10-15 minutes, hein, au moins 5 minutes. T'en bats les couilles. Tu blablates, je sais pas quoi. Attends, gros, parce qu'on entend les gens. Mais t'es où?
Il arrive au Pôle emploi, il arrive au Pôle emploi. Je lui dis de mourir au Pôle emploi. Vite, vite, dans le, sur le parking, viens sur le parking, viens sur le parking. Non, non, j'ai un prêt. Regarde, je. Non, mais je viens maintenant, tu imagines la bio, tu me flics, gros. Putain, braque-moi aussi pour faire semblant. Mais oui, c'est ce que je vais faire. Gros, j'avais pas de truc pour lui parler. C'est ce que je lui ai dit. Comme par hasard, il m'a dit, gros, t'as pas 2500 à dépanner. Je lui ai dit, ouais, vas-y, viens, je t'attends. Comme par hasard, gros. En fait, tu crois que je suis un truc. Oh, je crois qu'il arrive en bagnole de flic. Non. T'es de homme. Il est en quoi? Je vois pas. Eh, c'est ton frère avec la voiture blanche là, il arrête pas de tourner autour. Ouais, je le vois, je l'ai vu. Ah oui, il est sur Evo Live, il a écrit Joie Evo Live. J'ai vu une bagnole de flic pas loin. Non, moi je vais à 4x4 là. Il arrive vers moi, il est là. Il est avec des potes. Il est avec deux potes, gros. Deux potes. Ouais, c'est chaud. Ouais, tranquille, et toi? Attends, je te donne ça. Je sais comment il est avec des potes, je crois. Frère, on va prendre un van et on va aller prendre les trois. Hein. D'accord. Les trois? La tête de. Oh merde, on se tombe pas les couilles. Ah bah attends, je vais devoir quand même passer de la banque. J'ai un trou de balle. Mais non, passe pas, mec, tu dis j'ai un problème. Ouais, mais dépêche-toi, gros, je fais semblant. Mais je fais quoi? Arrête de parler. Je sais pas ce que je fais, frère, putain. J'ai pas de 4x4, j'ai rien. Ouais, dis-moi, je t'attends, vite, on est tous les trois là. Change de voiture. Dépêche, gros. Mais laisse-moi. Good God. Non, non, ça pue, gros, non. Je vais faire le tour. Tu dis t'as un problème avec ton téléphone. Dépêche-toi gros, je fais semblant. Ouais mais t'es sûr que ça passe mec, y'a pas de flic autour. Attends, je vais faire le tour hein. De quoi? Ah gros, ça saoule, attends. Ça marche toi ton téléphone, regarde une fois, tu peux toi descendre vers le bas. Parce qu'à chaque fois que je lance l'application bancaire, ça veut pas descendre vers le bas. Gros, moi ça veut pas descendre, à chaque fois que j'appuie pas, ça fait transférer, j'appuie sur transférer, ça fait exprès. Attends. Putain. Bon, je vais faire deux secondes. Faire un dodo, vite fait. Ouais. Allo. Eh, hey, dis-moi, t'arriverais à venir m'aider ou pas du tout? Cher. Parce que genre ils sont gros, 3. Je vais faire un dodo, je vais faire semblant de faire un dodo. Comment ça 3? Mais ils sont arrivés à. Enfin, y'a rien. Vas-y, hein. Vas-y. C'est juste si on arrive à en prendre 3 et on prend lui avec et les autres, je sais pas ce qu'on fait avec. Dépêche! À sa côté, je suis pas là, on y'a va dit, bouge. Vas-y. Pôle emploi. Attends, frère, je suis en train d'amener Sylvia. Elle vient avec? Ouais, oui, frère, ça sert à rien qu'on soit. Je suis pas connecté, il a dit à 5 côtés, t'es pas là, je bouge. Gros, il y a 107 d'agneau. T'es en live là en plus. Oui. Oh. Elle arrive quand? Ils sont que 3, t'es sûr, 100%? Je te jure, la vie de ma mère, ils sont 3, c'est bon ou pas? Tu prends la canne dans la. Vraiment. J'ai fait le tour en plus, il n'y avait pas de flic. Ils sont entrés flics. Hein. Je suis en train de trembler des mains, mec.
Dépêche, dépêche, je fais semblant que je suis pas encore là, je fais semblant de pas encore là. Frère, attends. Je sais pas où elle est. Gros, oh yo. Elle est où? Oh, dépêche-toi, frère, je sais pas faire semblant d'être pas là. Mais je peux pas faire autrement, j'attends Sylvia. Allez Sylvia, bouge. T'arrives ou pas là? J'attends Sylvia. J'attends Sylvia. Mais non, il va pas partir. Tu lui dis attends, attends. Si, il va partir. Non, il va pas partir. Allez, je vais la faire déplacer pour rien. Allez, tard. Elle est où? Oui. Ouais, t'es où? Je vais arriver, ok? Ok, vas-y, vas-y. Parce que là, ils vont partir. Il t'embarque? Ah, non, non, non. Là, en fait, c'est... Vas-y. Je fais semblant de le verser au pire. Vas-y, tu fais semblant, mais il faut que tu les tiennes un peu là, Sylvia elle arrive. Oh, dépêche! Je peux pas tenir longtemps, gros, il va cramer! Mais mec, il va rien cramer, reste tranquille. Au pire, je le verse si je lui pose des questions. Vas-y, tu dis, ah ça marche, c'est bon, donne-moi ton idée. Et tu mets du temps, genre. Mais c'est beau, je vais faire semblant de mettre son idée. Eh, hey, c'est ton frère là avec la voiture blanche, il pourrait arrêter de nous suivre, c'est sympa. En bas les couilles, moi je suis pas avec lui, moi je suis changé de chambre, j'ai dit je suis en bas. Là, je me dis, tu m'as dit 5000. La vie de ma mère c'est lent. Dépêche, tu fais semblant que t'es sur le lent. Mais frère, c'est pas moi qui. C'est pas sur moi qui se compte, frère. Hein. On est déjà là ou pas? Je sais pas où elle est. Elle t'a dit de la rejoindre où? C'est pas moi qui dois la rejoindre, c'est elle qui doit me rejoindre. Elle t'a dit de venir où? Elle t'a dit tu l'as dit de te rejoindre où? Je suis juste en dessous du pôle emploi. Quoi, vous êtes tous flics là? Vous êtes tous flics? Ils sont tous flics? Je crois, tous les trois flics. Mais attends, t'inquiète, ils sont pas en derby. Vous êtes tous flics! Vous êtes tous flics! Ouais. Putain, depuis quand t'es flic? Putain. Ah ouais, toi t'es monté en comme ça, toi. Je sais pas où elle est. Je le verse au père sa mère, j'ai pas besoin de l'argent de toute façon. Non, si. Tu lui dis, après tu lui poses des questions. Tu lui dis c'est comment pour rentrer dans la police et tout. Tiens, j'ai que ça frère, voilà. Mais en gros j'ai des questions, comment tu fais pour rentrer dans la police? Parce que moi j'en ai marre de MS, ça paye rien du tout. Vite fait le temps, dis-moi. Mais en gros c'est du foutage de gueule et comment t'as... Et t'es cherché en chef? Ouais, dépêche, pose des questions, parle pas parce qu'il t'entend. Mais en gros c'est pas... Et quoi, tes collègues ils sont cadets? Ah ouais, carrément, donc tu gagnes là en fait 750, la même chose que moi. Putain, j'ai gueule. Ah! Et toi, tu gagnes combien, cadet? Putain, vous avez, en fait, y a pas plus haut que ce salaire là en fait, je crois. Tête de WAM, elle est où? Vous faites l'implantation? Attends. Vous là, les flics, vous êtes corrompus du coup. Ah bah si, j'ai fait de la place, t'es corrompu. Un des trois ici ou un des autres? Ah, j'ai cru qu'il était ici. Non, ouais, vite fait. C'est des super pouvoirs là, je sais pas quoi, là, y'en a un feu, y'en a un. Gros, dépêche!
Je peux pas, c'est, je peux pas faire tout seul parce que s'ils sortent une arme, une, je suis baisé. J'ai mon AK, tu peux faire semblant de la donner. Et ouais, puis après, c'est que t'es MS-13, truc du cul. Non, mais au pire, on les met à terre, on leur fait oublier tout. Vas-y, viens, viens, sa mère, viens, viens. Non, 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 attends, juste attends, elle, elle va arriver, elle va arriver. Et puis après, tu prends l'AK, frère. Ah. Même. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, bouge. Si, admettons, vas-y, dans 4 minutes, si elle est pas là, 4 minutes à tenir, sa race. Gros, t'es où, t'es où? Je suis toujours au même endroit. Ah viens gros, tu fais semblant de me donner mon AK. Viens, viens, tu fais semblant de me donner mon AK. Putain. Pablo, il est mort. Pablo, il est mort, frère. Arrivé, là Pablo il est mort. Jure. Ouais. Vas-y, on va, elle va arriver gros. T'arrives à les retenir? T'es toujours au même endroit? Tu bouges plus, tu bouges plus, vous bougez plus. Tous! Allez, tout le monde dans les véhicules là, maintenant. Enlevez les radios, enlevez les radios. On enlève toutes les radios, tous les téléphones, tout, tout, tout. Tiens, merci, tu me donnes tout. Tu me donnes tout. Ouais, pas que je vous ai tout. Va chez Mia, va chez Mia, va chez Mia, prends-le, prends-le, prends-le.
Rue, va envoyer des pauses, on va se faire baiser. Vous m'avez tout donné là, hein. Vous avez plus rien. Hein. Ouais. C'est quel muscle pour lever les mains? On y va, les gars. Y'en a un qui monte avec moi. Monte avec lui. Allez, dépêche-toi. Y'en a un qui monte avec moi. Bien sûr. Hmm. Comment? Je peux pas, demande au patron. T'inquiète, fais un. Tu vois? Fais une écriture au-dessus. Il va le voir. T'as pris tous tes moyens de communication, t'as plus rien. Hein. Oui, oui, ça, je m'en dis. Bah, j'ai quelqu'un à faire quelque chose, ok? Mais reste avec lui. Ok. Pourquoi? Ah. Ok. Bon, mais conduis la prochaine fois là. J'ai pris la putette dans la tête. Oui, justement. C'est le patron. Il va avec lui vraiment. Il a besoin de quelqu'un. Il faut pas laisser seul. Faut que t'appelles quelqu'un d'autre pour surveiller les deux portes, ok? Faut vraiment rester auprès de lui. J'arrive après, ok? Vas-y. Vous êtes où, j'arrive, je vais m'appuyer, j'arrive. MS13. Mais le patron, il voulait s'en occuper de lui. Pablo est mort. Oui, vous le... Ouais, je sais, tu m'as dit. Comment? Patron. Hmm? Le patron. Non. Okay. Tu m'expliqueras après. Ouais. Mais le patron, lui, voulait s'en occuper personnellement. Hein. Le patron, patron? Moi, bah, j'avoue, ça le fera peut-être se défouler, mais... Ouais, non. Je l'appelle? Non. Ok. Radio, quelqu'un m'entend? Oui, yo. Patron, ça va? Quoi? T'es où? On est dans les... Attends. Est-ce que vous pouvez ouvrir à... Y'a quelqu'un sur la radio? À quelqu'un? Non. C'est 69, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il est 99 ou bien 09. Attends, pourquoi on entend ta radio, toi? Y'a qui? Quoi? Il se passe quoi? J'entends une radio, c'est à qui? Ouais, c'est lui, moi j'ai enlevé toutes les radios, hein. Enlève ta radio, on t'a dit. Gros, vraiment une désactive ta radio. Déjà, on a tout retiré, toutes les radios de tout le monde. Hein. Allô. Gros, vraiment une pause. Attends, frère. J'ai entendu aussi. Je viens de l'activer. Ouais, mais je savais pas. J'avais pas on a Omer chez... Tu veux te défouler sur lui? Amen. Okay. On va unicorn. Unicorn, on va y aller. Parce qu'il va donner ça au patron, frère. Il a dit, c'était un ordre. Je vous attends au pire. Vas-y, va. Putain, c'est fermé. Normal. Dis que t'es là. Et qu'on arrive. À qui? Bah, au patron. Oh, je suis en train de trembler, frère. Ouais, parce que je suis trop content, mec. Il va prendre trop cher, fils de pute. C'est fermé, gros. Comment j'ai prévu mon... Vas-y, t'inquiète, c'est bon, t'inquiète, on arrive. Je tremble parce que je suis trop fier. Le karma, ça retombe vite. Gros, je suis obligé de garder mon accord dans les mains, je peux prier. Vas-y, c'est pas. On arrive, nous. D'abord. Oh mon gars, le karma! Quoi encore? Il y a les flics, ils m'ont vu avec la K. T'es pas en train de venir au Nico? On arrive. Bon, y'a pas de soucis. Quand tu vas me faire, je te prépare, moi, tu me dis. T'as le droit de leur tirer dessus, pas? Non. Tu peux lui dire. Non, c'est rien, patron. Ah, t'es sûr? Moi qui paye, hein.
Bah vas-y. Allez, allez, ma poulette. Y'a Asko qui est devant, il arrive pas à rentrer. Attends, j'ai pris la radio. Ah, j'ai pas le choix. Vas-y, je te l'ai préparé là. Il est sur le bas. Oui. Ok. On descend. Mais on reste à côté, hein. Radio, y'a quelqu'un, s'il vous plaît. Surveille-le, ok. Tu m'entends sur la radio? Radio, y'a quelqu'un, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis devant l'unicorne, mais c'est fermé. T'inquiète. Vas-y. On fait quoi là? Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a plus d'essence. J'ai vu passer. Non, on n'a pas, on a rien. Vous avez rien, je voulais venir le chercher. Non, t'inquiète. On monte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux mettre un point à l'unicorne, s'il te plaît? Tout de suite. Tu parles, gros. T'es qui? Comme ça, tu fais des menaces, toi. Quelqu'un, j'ai besoin de savoir. Vas-y, pose de là. Des menaces, moi? T'as pas le droit de là, tu vas te répéter. Ah bon, envers qui? Je sais pas, on m'a dit ça. Ah bon, bah, gros, parce qu'il a intéressant fait... de savoir qui. Ah, c'est un truc, c'est moi, je vais répéter. Ouais, Tika, tu te dépêches, le whisky là. Je connais pas grand chose. Enfin, je connais pas grand monde en ville. Putain, y'a des types en S5. Envers qui je ferai des menaces? À part mes collègues de la LSPD et des EMS. Vous êtes ouais, il a l'intérêt, mais c'est fermé là pour l'instant. On va devoir attendre. Ça va, je vois. Vas-y. Gros, j'ai surveillé l'entrée. Voilà, je suis un bis, c'est parti. C'est bon, frère, on est là. Vous êtes tous, je vois pas où je suis à l'entrée là. Nous, on est derrière. On descend. Et gros, Pablo, il est mort RP. Je sais, oui, frère. Putain, gros, c'est lui qui nous a fait rentrer et tout. Ça tire. C'est nous. Pourquoi? Je fais quoi? J'avance. Vous allez rentrer par où là? Derrière. Ah, rentre par la porte. Viens, t'as. Je t'ai dit, frère, deux fois, je te l'ai pas dit. Derrière, frère, tu casses la tête, gros. Putain, je suis là. Attends-moi. T'es fils de pute. Gros, je vais lui montrer ma tête avant de le buter. Non. Oui? Oh, putain, allez. Tiens, tu peux aller voir en haut là, y'a eu un mec. Vas-y, je vois ça. Patron, vite, oui, dépêchez, on est devant, gros, on est derrière là. Couilles, casse les couilles. Vas-y, rentre. Gros, va, je sais pas comment tu t'appelles, mais Vasco, bouge de là. Bonjour. Moi je surveille. Ouais, ouais, salut. Bouge, t'as pas le droit d'être là, gros. Reviens. Tu vas te buter, bouge. Comment? Je te connais pas, bouge. Ouais, descends. Ouais. Tu vas te buter, dépêche. Bon, y'a toi qui cherches à mettre à tout le monde là. À tout le monde? Mais je sais même pas qui vous êtes. Pas, ou quoi? C'est pas y'en de parler de toi. Bouge. Mais qui? Tu viens là tard à la DR. Je connais pas le zone. Ben j'aimerais bien savoir parce que. À part mes collègues policiers, on traîne à trois. C'est pas le moment là de me casser les couilles. Moi je te le dis. Je sais pas qui vous êtes. Ah non, je sais pas qui vous êtes, même monsieur à côté, je sais pas qui il est. Je suis Emilio, t'as qu'à regarder sur le Twitter de la ville, tu vois qui est ici. Bref, y'a même pas les couilles. Premier avertissement. Prochaine fois, y'a tout tu, t'as compris? Ah oui, bah y'a pas de soucis, mais jamais. Faudrait me dire qui vous l'a dit que. Ouais. Bah, je connais pas son nom. Maintenant, ça arrête de me casser tous les couilles. Ah, y'a pas de soucis, monsieur, mais faudrait d'abord que je sache qui c'est que j'arrête de menacer parce que je menace personne. Hein. Je suis très gentil en ville. Hein. Vous pouvez demander aux citoyens que j'arrête parce que je suis de la LSPD. Hein. Mais aux citoyens que j'arrête, vous pouvez demander. Comment ça, tu es de la LSPD? Oui, j'ai été recruté il y a 4 heures. Donc vous voyez que je connais personne. Hein. Je faisais partie des EMS avant. Bref. Du coup, je viens de te dire. T'as qu'à regarder sur le Twitter comme il vient de te dire. Oui, y'a pas de soucis. Tu vas sur l'application, tu regardes toi.
discussion. Tu vas le voir depuis deux mois. Bah oui, j'ai toujours la même question. Hein. Qui faut que j'arrête de menacer? Ça, je dis pas le nom. Bref, arrête de me casser les couilles et parle de là. Allez. D'accord. C'est bon, j'ai plein de bière. Allez, vamos. Allez, je vais la prendre une bière, moi. Pas maintenant. J'ai cours, toi. Pourquoi tu le butais? Ah, frère, il a une grande gueule. Voilà. Allez, le rechauffer au cas où. Oh putain, vas-y, c'est parti. Viens, viens. Prenez la Merco. On doit aller le rechauffer. On doit aller faire quoi? On doit aller le rechoper? Arrête. Le téléphone, tu l'as ou pas? Il a rien du tout. Ah, c'est bon. On m'a tout pris tout à l'heure déjà. On fait quoi maintenant? Oula! Vous ne connaissez pas soin de vos collègues, vous? Oh, fais mal, clochard, vas-y, attends. Je te pointe l'arme sur toi, hein. Fais gaffe. Oh, y'a quoi, putain? On a dit d'aller le rechoper. Qui ça? Moi, je sais pas, on m'en prend à moi, comme ça. Par plaisir, je crois. Par plaisir. Ouais, je crois que ça leur fait plaisir. Hein. Bon, vas-y, avance, va quelque part tout discret. Bon, toi, je te prends des yeux. Tiens, mets-le un sac sur la tête, ok? Attends, arrête de mets-le un sac sur la tête, tu sais. Oh, tu vois plus rien là? Ouais, je vois plus rien. Putain, mais mec, elle est allumée. Non, elle est pas allumée. Mais non, pas celle-là, l'autre. On va où? Gros, avance. Gros, t'es con, pourquoi t'as coupé ta radio? Mais parce que j'entendais rien ce qu'il disait le patron. Je sais pas, avec... tu connais pas un endroit discret? Tu te souviens de l'endroit où tu nous as ramené là? Pas loin des MS-13. Vas-y. Il sait pas où on est, de toute façon, on lui a pointé les yeux. Eh mais pourquoi, on doit lui faire quoi lui? Gros, on peut s'amuser avec, elle a dit. Ah yeah. Aussi, elle a dit, on peut s'amuser avec. Elle dit, mais d'un couteau lui. Non gros, on va lui mettre des balles, frère. On tirera pas le réel, on a pas le temps de couteau, frère. Ah, on va lui tirer les balles dans les jambes. Ah, tu donnes pas de nom, tu donnes rien. Hein. Ah non, frère, voilà. Arrête de parler sur le jeu. T'as dit Anne. Comment t'en as bientôt plus d'essence? Non, va pas trop là-bas en vérité. Tourne. C'est quoi? Continue tout droit. Et s'il y a une dalle pas loin, une dalle où tu peux rentrer, c'est grand comme ça. Tu vois ce que je dis ou pas? N'est-ce pas? On va tu aller. Peux rentrer. On va aller dans. On va aller. Ouais, va dans. Putain, on peut s'amuser avec. Je veux tuer sa mère là, putain, ma mère, il va crever. Non, ouais. On peut pas le puter, hein. Non, on va lui mettre des balles et on va le mettre à terre.
comme ça il se souviendra de rien. Ah, mets-toi là. Va pas trop loin, Eh, t'inquiète. Va jusqu'à là, comme ça il se souviendra de là. Voilà. Putain, je l'ai fait descendre. Sors, descends du véhicule, je t'ouvre la porte. Vas-y, avance tout droit. Va un petit peu à droite. Non, à droite, ça c'est à gauche, pote. Excusez-moi, je suis un peu daltonien, mais je vois ça. Va, continue tout droit maintenant. Maintenant, va à gauche. Oh, un petit peu à droite. Ah, au pire, attends, je t'enlève ça. Enlève le truc. Sur la tête, s'il te plaît. Merci, mes fiches. Ah, gros, je te laisse t'amuser en premier. Non, c'est bon, vas-y, amuse-toi. Moi en premier. Vas-y, je te laisse t'amuser tout court avec lui. Vas-y, fais-toi plaisir. Je te laisse celui-là, c'est pour toi. Cadeau. Il est cadeau. Il t'a menacé. Vas-y, la tête de ma mère, il est pour toi. Vas-y. Vamos. Ah, mais alors, comme je vous disais à votre patron, j'aimerais bien savoir qui et quoi. Comment ? Nous, on a été. On va dire un petit peu, on a été engagé, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Nous, on a eu des ordres. Les ordres sont des ordres, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais non, mais c'est pas ça. J'aimerais bien savoir. Par contre, pourquoi fais ça vite, je hein. suis là et à qui j'ai affaire, parce que je sais même pas qui vous êtes en fait. C'est le problème. Ça, c'est tant mieux, ça, si tu sais pas à qui on est. Ouais, mais d'accord, mais j'aimerais bien savoir la raison. Parce que. On vient de te le dire. Ah, écoute, on est des personnes cagoulées. C'est tout, t'as pas besoin de savoir qui on est, c'est tout. On est des personnes cagoulées, c'est bon ou pas ? Ouais. C'est bon, c'est tout ? Vas-y, fais-toi plaisir maintenant. Bon, écoute, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Et toi, tu mérites quelques balles, tu vois, comme ça tu boites un petit peu toute ta vie, comme ça tu t'en souviendras ce qui s'est passé, comme ça tu comprendras que la prochaine fois, faut pas menacer des gens, faut pas comme ça dire des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais, comme je vous disais à votre patron. On s'en fout, s'en fout de la disquette, c'est bon. Tu pas dans les pots, là, c'est pas que tu vas le boiter là, tu vois. Ta main, tu vas pas savoir l'utiliser. Si vous. Ah, tu sais quoi, attends. Bah, écoutez-moi. Vas-y, je t'écoute, vas-y, je te délivre. Si vous traumatisez, on va dire, quelqu'un, ça serait déjà avoir une raison. Mais on en a une, on en a raison. Parce que si là. Mais on va pas le dire. Oui, ben voilà, donc je. Mais tu dois bien la connaître, tu dois très bien la connaître. Nous. Ah bon ? Bah non, je vois pas. Bah t'inquiète, tu vas t'en souvenir. Ah bon ? Bah... T'inquiète pas, tu vas t'en souvenir dans pas longtemps. Bon. Vas-y. Je lui mets une balle ou pas ? Où ça ? Tu lui mets une balle dans le... Oh ! Dans les couilles. Dans les couilles. Non, pas dans les couilles, c'est trop... dans la jambe et... Tu mets deux balles dans la jambe, voilà, vas-y. C'est bon. Vas-y. Mais tranquille toi. Bah j'étais un plutôt bon flic donc. Ouais bah du coup maintenant tu vas boiter un petit peu, du coup ça va te faire ralentir un petit peu, tu vois ce que je veux dire, pour nous ça va nous aider un petit peu. Ah non mais c'est pas. Moi je cherche pas la merde avec les gens. Bon. On va te laisser un téléphone sans numéro. Et tu pourras appeler l'ambulance comme ça. Ouais, voilà. Bon, sans numéro hein, ça veut dire que. Sans numéro, ça veut dire que t'as plus rien. Hein. Ouais juste tu pourras appeler. Ça veut dire qu'on enlève ta carte SIM. Plus rien, plus de numéro. Oui, bah alors donc je peux pas appeler l'ambulance parce que j'ai pas de carte. Mais si. Ah non. On en t'a mis une où t'as rien. La carte SIM, ça sert à utiliser, à connecter mon téléphone au satellite. Écoute-moi. Et chez vous, patron, j'entends les sirènes. Vas-y. Ah ouais, je finis mon affaire là, rien. Patron, dépêchez-vous, genre maintenant. Dis-moi vite. Bah, vas-y. Aïe, oh putain. Il y a une dans la jambe. Oh, vous avez pas des bandages ? Non, bah tu crois qu'on va tenir des bandages, mon pote ? Ah bah pour m'aider quand même. Aïe. Attends. Oh, c'est à toi, une dernière balle, maintenant c'est dans les jambes et j'appelle l'ambulance pour toi. Lève-toi. Aïe, vous croyez que je peux me lever là ? Aide-le. Attendez, je vais. Mets-toi à côté de lui, aide-le. Tu comptes le comptoir. Vas-y, vas-y. Aïe. C'est quoi, on va te laisser des mini bandages, t'as compris ? Tiens, tu fais les promesses quoi. Vas-y. Merci. T'as donné son téléphone pour appeler juste l'ambulance. Vas-y, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'il avait une arme en fait ? Rien à foutre.
roule parce qu'on a plus d'essence. Ça, je roule souvent parce que j'ai pas envie de tomber dans la falaise. Moi. J'ai pris la pole route, on est passé par là nous. Vas-y, va tout droit, t'inquiète. Ah ouais, c'est bon. Oh gros, ça fait plaisir de s'amuser avec les gens qui font les fous. Voilà. On va faire l'essence. Vas-y, mets le point. Bon, après, je vais aller vite aux toilettes, tout. Ouais, oh, tu sais quoi, j'allais dire la même, fils de. Je... Vas-y, je vais vite en attendant. Ah non, non, non. Ah ouais, ouais. Vas-y, je suis là. T'as fait vite, moi je dois aller faire la grande. Ah, ah ouais, mais non, mais là mec, tu vas me laisser tout seul pendant un moment, ce fils de pute. Non, quoi, 10 minutes. D'accord, mais je suis fier. Oh, t'es vraiment un. Gros, t'as. Oh gros, elle a pas lâché la voiture. Non, non, elle va. Regarde, c'est bon, t'inquiète. Ah putain, j'ai stress, gros. Putain, elle va freiner, elle va quand se freiner, je vais pas t'inquiète. C'est un fou, on s'en fout, elle est... la pompe à essence, elle est là. Par contre, si t'as de la thune. J'ai une jerrycan d'essence. File-moi de la thune, comme ça je fais moi. Le plein et c'est moi qui conduis. Mais mets-le. Ouais, t'es un skeg. Mais t'auras jamais assez pour remplir. T'inquiète, je crois que je file ma jerrycan parce que j'en ai marre de la garder sur moi. Oh, ça fait du bien! Oh, le karma il tombe si vite! T'as vu, c'est ça l'enroule là, gros. Nous, au début, on se disait on va jamais savoir se venger et tout. Par contre, si t'as de l'eau. Ah, ouais, mais non, c'est bon, y a un truc là. On va changer, on fait quoi? On va changer déjà. Après, on va déjà changer, comme ça, on range la K. Ou... Non, d'abord, on va ranger la K ou on va d'abord changer? Ouais, je sais pas. On va ranger la K, on va ranger la K, parce qu'ils auront aucune preuve contre nous, t'as compris ou pas? Vas-y, dépêche-toi de venir alors. Je t'entends de voir, j'ai déjà rempli le sens. Je vais mettre la radio. Dépêche-toi parce que si ça passe pas. Allez, Taras. Gros, Vasco il a abusé, t'as vu ce qu'il a tapé? Ouais. T'as vu où il était, frère, il a abusé. C'est derrière, frérot, c'est derrière. Non, reviens. Non, fais-moi confiance. Parce qu'on va passer entre nous, on va passer au même endroit. Vas-y, va tout droit. T'es sûr? Mais après, tu vas à gauche. C'est quoi, je te dis. Va là, sur le GPS maintenant. Putain, gros, elle a plus d'argent, l'entreprise. Gros, elle a plus rempli, on va aller ranger la K d'abord.
Ouais. Très bien, radio, on a rangé la carte. Et comment on fait pour parler? Non mais apprends-moi, frère. Radio, y'a quelqu'un? Ouais, quelqu'un, ouais. Voilà. Attends, je dis quoi? Tu dis on range les AK. On va truc Asco et Bob, on va ranger les AK ou tel. Ouais. Et je dis ouais. Y'a pas là quelqu'un qui a de la coke là, y'a plus de coke moi. Comment je vais maintenant? Demande s'il veut la 63 MG. Eh. Ouais. Qui a de la coke là? Moi j'ai pas de coke. Oh putain. Demande s'il veut la 63 MG. Patron. Eh. Est-ce que je dois t'apporter la 63 MG ou pas? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je la mets où alors? Je la laisse au cartel. Ouais. Vas-y, pas de soucis, fais ça. Habillez-vous en blanc après. Pas de soucis. En blanc? Ouais, il a dit en blanc. Ah, ça veut dire qu'on doit faire. Ça demain en fait. Genre en costume blanc et genre comme ça. Mais la même chose. Mais non, la même chose qu'on est là, mais en blanc, frère. T'as compris ou pas? Patron, une dernière question. Genre la même chose qu'on est là maintenant, mais en blanc. C'est bon, toi, non, on fera ça demain. Prends pas la tête. Mais demain, ça sera Core Star. Blanc. Ok, c'est moi. Eh, mais frère, tu sais que c'est pas ton pote, hein? Ah, gros, je m'en bats les couilles tant qu'il dit rien. C'est pas ton pote. Ouais, c'est pas, on va la demain. Quand tu discutes, on dirait, il a dit ouais, arrête de me dire si. Moi, il m'avait dit ça, viens, mais tu vas où? Viens, on la laisse au cartel. Ah, gros, viens, on la prend, gros. Ouais, il a dit sans pas les couilles, gardez-la. Vas-y. De toute façon, on va dispo après. Oh, Costard Blanc, il a dit. Oh, t'es en train de péter toute la caisse, frère. Gros, je pète rien du tout. Moi je vois rien. Putain, je dois aller chez sa grand-mère. Ouais mais gros, après c'est trop cramé frère si on gagne la même voiture. À l'aise, mais on va la changer après. Au pire on la laisse quelque. Non, on va pas la laisser quelque. On va la remettre dans le corps comme si vous voulez pas toucher. On va ça perd tout je crois. Parce que si on allait juste là, tout le monde va la tuer, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Et nous comment on va se déplacer? On va se déplacer avec un petit véhicule. On vole. Ah gros, on va la laisser au unicorn, on va la déposer puis on va. Comme ça après moi je vais chier, puis tu m'attends et puis après je reviens. Gros par contre elle est gérable cette voiture, c'est pas comme l'autre. Oui. Papa il est mort, casse les couilles. C'est ce type qui nous a fait rentrer et tout en plus. Ouais, ça fait le seum hein. Ouais. Elle s'en faisait parce qu'il était sympa. Ah les tense gag. Nique ta race, pourquoi t'insultes, fils de t'es un putain de gag, mec. Nique moi, c'est bon. Vas-y, c'est moi, je t'aime. Ça va ou pas? Ouais, ça me va aussi. Mais voilà. C'est pas ma voiture, c'est pour ça que je m'en bats les couilles. Bon, sans le masque, du coup, où tu places sa mère la pète. Putain, gros, t'as du pour? Moi j'ai 250. Hein. Mais tranquille, mec, change-toi normal. Oh oui, putain, j'avais oublié que j'étais chauve. Oh, je peux plus. Viens, on va vite chez le coiffeur. S'il te plaît. Parce que j'ai plus mes cheveux. Tu m'habilles comme ça? Moi, s'il veut que je sois en blanc, je fais ça. Moi, je suis pas serein avec la C63MG. Hein. Eh gros, il appelle ses keufs, il dit c'est une C63MG, il nous nique, voilà, fini. On va la remettre de l'unicorn, gros. Elle est pétée, tu veux lui donner une voiture pétée? Voilà. On va la jeter dans le fleuve, c'est bon quoi. Quoi, j'ai pas quoi mettre comme truc en bas. Bon, ça, moi, je mets juste un poteau plastique large. Voilà. Non, note. C'est dégueulasse. Avec ça, regarde comme ça. Vas-y dépêche là, j'aime pas être chauve. Ça c'est bon ou pas? Mais mec, mais mets des chaussures classe au moins. On dirait un clampin, frère. Pire, je mets ça, c'est mieux. Comme ça avec les chaussures, ça va passer mieux. Oh là là, c'est bon.
T'as aucun souci. Mais ça, t'es fou quoi, t'as jamais été mon cassin. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon comme ça. Vas-y, c'est bon, vas-y. Attends, la veste elle me dérange. Ah, tu me casses les couilles. Je vais mettre un truc comme ça, moi. Bouge ta mère. Faut que j'aille changer de coupe de cheveux. Oublie, frère, il fait ça. Tu peux te bouger de ta race là. Ouais, comment ça se fait, ça prend pas tous les bras? Parce qu'il s'arrête, frère. C'est un mini-pull. Non, c'est pas. Oh non, c'est pas comme ça. Oh, je vais te taper. Gros, casse pas les couilles, attends, frère, je veux pas gérer putain de roule, t'as fait casser les couilles. Ta mère, la reine des. Est-ce que la reine des quoi? La reine des quoi? Je te défonce. Rien. Et en plus, y'a les flics. Oh, voilà. J'aurais les flics. Ils sont pas loin, ouais. Ils sont là. Ils sont pas loin, ouais, ils sont en bas. Ils sont en bas. Vas-y, moi je vais appuyer sur le coiffeur. Gros, t'es bien, tu m'attends pas, tu fais ta pute comme ça. C'est la 3. Mec, c'est juste à gauche, frère, c'est bon ou pas? Tu fais ta salope comme ça maintenant? C'est bon ou pas? Ouais, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ah, je rigole, un petit PD. Hey, oh, par contre, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça parce que je vais te défoncer, t'es mort. Petit PD. Ouais, sale PD, va. Petit PD, va. PD, Taras. Nardine, mon. Nardine, bébé. T'as du bol que je t'aime bien, sale chien. Oh, là y'a un bug, ça prend pas tous les bras en fait, c'est ça qui est chiant. J'avais pas ça comme coupe. J'ai plus la même tête, j'ai plus rien frère, je vais péter un câble. Gros, tu vois par exemple toi la chemise que t'as et le truc que t'as. Le truc là que t'avais là tantôt. Laquelle? Quand on était à l'unicorne, quand t'étais au copain protégé, t'avais une chemise comme ça, mais c'est pas une veste. Ah, mais c'est moche, ça fait trop du cul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le truc là, tantôt, quand on était au copain protégé. Quand on était devant là? Ouais, avec Pablo. T'avais un truc noir, mais c'était avec des longs bras. Comment oui. C'était quel modèle? Ouais, j'arrive, c'est bon. Je vais faire un ticket parce que ça me dit pas. Putain, vas-y, je devrais changer de coupe de cheveux. Nique sa mère! Pourquoi je peux pas changer ma face là, je résiste? Vas-y, je l'ai fait deux fois. Ah, gros, c'est quoi ce temps? Oula, gros, ça va pas le faire. Oh, ça va être niche les couilles ça. Putain, tout ça, c'est grâce à lui qu'on est là, il s'est fait charter. Oh, Jesus! Mais tu sais que c'est le patron qui l'a buté, hein? Hein? C'est vrai, tu réagis que maintenant. J'aurais la vie de ta mère. Ouais. Oh. Je sais pas, j'ai dit à Sylvie qu'elle me le dirait plus tard. Ça? Attends. Ouais, bien vu. C'est le temps, c'est 11. Non, temps c'est 11 et le t-shirt c'est 22. Il est en blanc ou pas? Ouais. Tu vas mettre la même mais en blanc. Ouais. Ça sera la même chose. 11. Et le t-shirt 22. Ouais, mais ça va pas, le 11 en bas il va pas, il faut trouver autre chose. Il va pas blanc. Ouais, je trouve pas blanc. Ça fait des trucs dégueulasses. Ah ouais, tout. Au pire, on peut mettre en noir. Hein. Ça va pas déranger, je crois, en noir. Hein. C'est quoi, moi je verrais ça? Non, ça va pas déranger. Mec, t'as vu, je suis chauve, ça me fait chier ça. Putain! On met noir comme ça. On met blanc noir comme ça. Ah, ça m'énerve, ça me tend ça. Ah merde, j'ai fait gros. Vas-y, moi je verrai demain. Vas-y, il a dit on verra demain. Vas-y, prends pas la tête.
Regarde ça là. Je devrais changer de coupe. Putain, ça me rend fou. Hey, aide-moi. Dis-moi c'est quelle coupe que j'avais, frère. Tu vois là ou pas? Non. C'est ça? Ça se passe à la... Non, non, non. Ça? Continue, non. Mais on a passé, frère. On a tout vu, hein. Non. Je sais ce que tu veux dire, mais y'a pas. Sans les contours. Ouais, y'a pas, frère. C'est moche parce qu'ils l'ont enlevé. Mais l'autre, mais... ouais, celle... non, même pas, mais c'est... non, mais pas celle-là, c'est moche. Mais ça que t'as, ouais, celle-là, mais c'est moche. Vas-y, c'est moche. Mais ça casse pas les couilles. D'où y'a les flics? Y'a pas de flics, frère. T'entends pas, frère, les sirènes? Non, mais t'es plus toi, moi, il monte. Viens, comme ça, je vais chier, moi, parce que je dois chier de ta grand-mère. Ça me rend dingue. Ah, gros, on va faire comment pour Pablo? Je sais pas. Oh, y'a une sale musique en plus, hein. Ouais. Putain, blanc. Gros, t'as grandi sur des putos. Vas-y, je mets quoi comme coupe? Ah, ça m'énerve. Gros, mais c'est là que je t'ai dit, gros, t'abuses. Mais c'est moche! Oh gros. Mais ça! Ta gueule! Attends. Toi, ils sont tous moches, les coupes. Non, putain! Mets ça! Reviens! Mets ça, gros! Mais c'est dégueulasse! Reviens! C'est là, mais gros! C'est moche, gros! Tu veux mettre ça? C'est ça? Non, c'est moche, vraiment. Ça va, mais ça fait trop de cul, en fait. Tu vois tous les trous du cul du serveur, ils mettent ça. C'est pour ça que... Ah, mais ça, reviens. Reviens. Non, ça, ouais. Vas-y, c'est moche, ça me saoule. Ah, mais ça, gros, casse pas les couilles. Il y a plus de barbe. Oh, je vais péter un cap, c'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y. Tu dois mettre taille de barbe 10. Vas-y, rien à foutre. Je vais aller faire un ticket là. Tiens, la voiture elle est morte, ça se fait poursuivre, on est dans la merde. Oui, mec, on la jarte là maintenant. Ouais, mais y'a pas d'eau ici. Quelque part ici, pas loin. Mec, tu la mets dans une ruelle. T'as dans le parking ici. Le véhicule, vite. Attends, frère, je suis en train de faire un ticket. Génération rap français. Le meilleur du rap français, 24h sur 24. Sur génération.fr. Et des bagarres de partout. Ta grand-mère, la pute. Ah, mais il y a toujours ma moto! T'es un geek, frère, voilà! Mais oui, t'es un geek! Oh, j'ai envie de te. Tu rentres là, tantôt! Je suis moche, ça m'énerve! Je peux pas monter! Ah! Tiens, maintenant, ouais! On fait quoi, on rentre ou quoi? On rentre où? Je vais être heureux. On rentre alors qu'on est pas en tenue, ouais, vas-y.
Moi je vais parking central et je vais chier. Tu vas faire quoi? Chier. Sors le véhicule, sors un véhicule, comme ça je te fais, j'avance là. Sors toi un véhicule gros, j'ai que ma KTM, après tous les autres je dois payer 2500. Sors ton véhicule bleu, non? Tu veux voir? 2500. Putain gros, tiens. T'as combien? La casse-po, c'est même ce que j'ai pas de 2500, j'ai plus rien. Attends. Sors pas du véhicule du coup alors, parce que sinon... Tiens. Au pire je reste avec toi, non? Vas-y, vas-y, monte. Mais ça, je vais me mettre dans un vas-y, coin. Je reviens, je t'envoie un message sur Snapchat dès que je suis là. Voilà, j'espère que cet épisode, enfin, ce live vous a plu les gars. Je vous dis à plus.